Allô gang, aujourd'hui, je vais vous montrer un parcours qui va vous rendre au premier pont couvert à la municipalité de la Bostonnais. Mon point de départ, comme vous le voyez, c'est le camping La Tuque. C'est à l'extrémité nord des sentiers de ville de La Tuque. Et on va longer un peu la route et des petits chemins de rang. Alors, amusez-vous bien, on se donne rendez-vous. Alors, c'est parti! C'est parti, direction la Bostonnais, en passant par le rang sud-est. Pour voir le premier pont couvert à la municipalité de la Bostonnais. Comme vous pouvez le voir en avant, il y a une intersection en avant, puis il faut aller à droite. Donc, je vais essayer de me placer pour traverser. Pas de trafic, parfait, je passe. Direction rang sud-est, comme vous voyez sur la pancarte. Camping Haut de la Chute, ça c'est l'autre camping qu'il y a ici à La Tuque. En fait, il y en a trois avec le camping La Tuque. Celui-là, ce qu'on va voir sur notre gauche, un peu plus loin, c'est le camping Haut de la Chute.
Bon, je vais faire comme tout le monde, je vais attendre mon tour. Ah, je viens de passer le camping haut de la chute. Il était sur notre gauche, 100 mètres en avant. Si vous voulez y aller, c'est 100 mètres avant notre position actuelle. Sur la gauche.
la gauche, vous apercevez la rivière Bostonnais, pas la petite rivière Bostonnais. La petite rivière Bostonnais, elle, se trouve près du parc des Chutes, à l'entrée sud de la ville. Ici, c'est la rivière Bostonnais. Sur la gauche. Changer de côté car il y a une halte routière, un petit parc municipal à la Bostonnais sur le bord de la rivière. Je vais m'arrêter, regardez, table à pique-nique, les poubelles si vous avez des déchets. Voilà. OK, on reprend la route. Regardez la vue à droite. C'était la rivière Bostonnais.
OK, on est rendu à l'intersection. À droite, on va prendre le chemin pour aller vers le deuxième pont couvert. Nous, on va ici à gauche. Regardez, premier pont couvert, on va le traverser. Ici, c'est le parc du Charme. Et un petit peu plus loin, je vais vous montrer une petite cantine. Pour ceux qui ont un petit creux, là. En avant de moi, c'est la route 155. Ici, c'est l'église. Et la cantine sur la droite. Une petite cantine, la bouffe est très bonne. Alors, moi, je vais prendre ma pause au parc du Charme. Je vais vous montrer le parc du Charme un peu plus en détail. D'ici, la vue du pont couvert est encore très belle. Voilà. C'est une halte récréo-touristique Parc du Charme. Ici, l'hiver, il y a une patinoire, des balançoires, une petite descente pour faire avec des planches à ski l'hiver. Ouais. Ah, la pétanque, des aires de repos, des aires de découverte, des oiseaux géants qu'on voit. Ça vaut le détour. Venez voir, regardez, il y a plein de pancartes d'interprétation. Et moi, je vais prendre ma pause dans le petit kiosque qui est là, à l'abri des insectes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Merci si vous appréciez la vidéo. Appuyez sur le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos suivantes. Au revoir.